Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau numéro de ce Let's Play, ce Call of Duty Remastered, Modern Warfare, pardon, j'ai oublié le nom, oula, si je dis pas le nom, ça va pas le faire. On est rendu à la 7ème partie, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour partir dans cette nouvelle aventure, d'où la mission s'appelle le Track, si je me souviens bien, c'est ça, c'est l'acte 1, Traqué, pardon, Traqué, voilà, ça s'appelle Traqué. On est parti pour continuer l'histoire. La dernière fois, je sais plus du tout où on était rendu. Voilà. On va découvrir maintenant la mission, parce que je me souviens plus du tout des missions. Enfin, la mission de... où il faut être très discret, qui était excellent. Et une autre où je me souviens, il y avait un mec qui a visé en sniper. Et il fallait... au moment où le drapeau arrêtait de bouger. C'est quoi ce truc là? Missile en approche, accrochez-vous! Là, ça fait le son du casque parce que ça me pète les oreilles. Ah, grand noir. Toujours en un seul morceau. Debout. Allez, il faut avancer avant que les équipes de recherche n'arrivent. C'est vrai qu'il est beau. Quelle est la situation? Paulsen et les deux pilotes sont morts. Merde. On peut prendre l'arme ici. Bon, le point d'extraction n'est plus très loin. En avant. Ouais, c'est cool ça. Allez, on prend l'arme. Bravo 6, ici, pivot. Et on y va. On va les suivre. On va faire ça tranquillement. Ça fait un petit bout de temps, j'avais pas enregistré de vidéo là, 130, hein. Sur un gameplay. Un qu'on avait pas bossé avec l'un d'eux. Ça fait plaisir. On va me dire, ouais, gameplay, let's play, c'est pas pareil, un gameplay, c'est un test. Bah non. Tout le monde sous le pont, allez! On arrive à la fin de l'année 2016. J'ai calculé. Bon, en avant! En une année, j'ai fait plus de 300 vidéos. Je suis un taré. Et alors, attends, il faut aller où? Encore lui. Price, il ouvre la porte. Stop, on a de la compagnie. Allez, doucement. Pour éviter de pas se faire opérer. Bon, on va buter ces enfoirés avant qu'ils ne le tuent. Putain, il fait le sauver. Pantaï! Oh. Attends, mais... J'ai fait le con, là. Oh là! Attends, il y en a un autre. Il est où? Quel con! Stop, on a de la compagnie. Allez. Hop. Ça. Je l'ai sauvé le papy? Papy, j'ai sauvé? La zone est dégagée. Bon, allez, on continue. C'est bon. Bon, on y va. Je sais pas si je l'ai sauvé, mais bon. On verra bien. Comme ça. Je crois que c'est après l'autre mission, là. Il faut se mettre à couvert. La mission où on est... avec un sniper et on doit pas se faire voir. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout quand c'est. Mais elle était excellente cette mission, putain j'en garde un super bon souvenir. Parce que du jeu et de la mission hein, mais.
Bon, bon, bon. Puis graphiquement, ils ont bien géré, quoi. Il est magnifique, le jeu. Il est bien meilleur que... le merde, là, qu'ils ont sorti cette année, là. Putain, il est mec. Je me cache, presque on sait jamais. La porte est ouverte. Dans la maison. Allez, allez. Voilà, et on y va. On rentre, on va éviter de se faire buter. Gaz, on va éviter de le péter. Sans mauvais jeu de mots. Je me souviens quand même un petit peu du jeu. Hein. Tac. Alors c'est vrai, j'avais commencé Battlefield 1. Mais j'ai pas continué. Que j'ai pas le temps. Je vois rien. Putain, je voyais rien du tout. Comment veux-tu que je le tue? Tiens, connard. Boum. Voilà. T'es mort. Hop, on va prendre ça. On va aller là, on va voir. Il n'y a rien à buter, non? Il n'y a rien à prendre, je veux dire. Je dis n'importe quoi, moi. Où est-ce qu'ils sont? Doivent se regrouper. Ah, Battlefield, ça attendra pour la suite. Restez vigilants. C'est où ce truc de cul? Putain, je sens bien, il va y avoir une embuscade là. Putain, il est chiant, quoi. Petite grenade. Boum! Putain, l'arme, elle est pourrie. Hein. Elle est nulle à chier, là. On va se casser. Hop, voilà. On va se mettre dans la maison. Putain, mais elle est nulle parce qu'à chaque fois que je tire, il y a l'un qui fait ça. C'est nul à chier. Voilà, on va prendre ça. Peut-être avancer. Hop. C'est du bien de pas avoir le bruit dans les oreilles, ça. Pas avoir le son à fond dans les oreilles, quoi. Ça fait vraiment du bien. Qu'à force. On joue mieux et quand on a la tête reposée, ça fait du bien aussi. Allez hop, comme ça. Ouais. De pute, va de crever, ouais, connard. Ah, je vous ferai peut-être des vous faire sûrement une petite vidéo sur le multijoueur de ce jeu qui était pour moi le qui fait partie pour moi un des meilleurs multijoueurs de Call of. J'espère qu'ils ont rien changé parce que ça serait vraiment dommage. Et ils avaient fait, comme on dit, des maps excellentes, toutes petites, mais putain, qu'est-ce que j'ai pu jouer dessus à l'époque sur Xbox 3.6, parce qu'à l'époque je l'avais fait sur Xbox 360. On dirait qu'ils ne savent pas où on est. Il faut que ça dure.
Même pour occasion, je pourrais même vous refaire. Bon, continuons, en avant. Vous refaire une mission sur. Sur PS3, juste pour le kiff. Pour voir la différence. Putain, on est à 280 mètres du point d'extraction, quoi. On est pas rendu, hein, je vous le dis, moi. Stop, sentinelle sur le pont, droit devant. Évitez la lumière des projecteurs. Dans la lumière du projecteur. Pardon. Faut que j'arrête de regarder Jeff Panaclock, moi. Ça fait pas trop, non. Et peut-être lui, je peux l'avoir. C'est con, j'ai pas un sniper. Attends, on va tester un truc. Tu me le laisses, hein. Il est pas moi. Oh merde, il m'a vu. Vers l'autre bout du champ, allez! Putain, il s'est tourné ce fils de pute! Oh! Il m'a des balles dans le genou, il court encore l'autre! Ça me fait rire des fois. Des fois, les jeux vidéo, c'est vraiment marrant parce que t'as beau leur tirer. Un chargeur entier, ils sont pas encore morts, ils courent, tout, ils sont en forme. Que nous tu fais ça on meurt en moins de 2 quoi. Même si j'ai remis un chargeur de balle dans la gueule, mais j'ai pas trop envie, tu vois, je tire ma vie quand même, tu vois. Non toi, c'est pas au programme toi. On a 200 mètres du truc. Ça bien. Ouais, j'ai une bête à la tête. Oh là là, aujourd'hui j'ai appris la sortie d'un jeu. Là. Je pense être pour l'année prochaine, à mon avis. Oh là là, c'est encore du Telltale, hein, ça, du Telltale. Je vous laisse deviner. Oh putain, je vous laisse deviner. Deviner lequel jeu c'est sur Telltale. Renseignez-vous sur internet et vous allez voir l'annonce qu'ils ont fait. Mais ça va être tellement jouissif de faire ce jeu, ce genre de jeu. Et surtout sur cette... sur cette licence. Que ça va être bon. Hein. Et c'est très très marrant, je pense. Et j'ai entièrement confiance à Telltale qui devient une de mes licences préférées en jeu vidéo. Après Rockstar Games. Ouh là là, je vais crever moi. Bon. Putain mais le con, mais pourquoi tu te mets devant toi? Allez hop. Alors, on est parti, on est là. J'ai crevé pis à le fouet. Mais j'ai coupé. Parce que je suis un petit malin, moi. Et c'était. C'est cette putain d'hélico qui me fait chier. Hop. On va aller doucement. J'ai vraiment une arme de merde. Je vais essayer de mettre un endroit où il pourrait pas me voir. C'est chaud, patate. C'est chaud. Pourquoi j'arrive pas à ce passage-là? Ça m'énerve. J'ai une arme de merde en plus. Là. C'est lui qui me tire dessus là. Cette putain d'hélico de merde. Ce putain de truc de merde.
pour un sniper là. C'est l'idéal. Allez. On tire dedans. C'est bon. Putain, il y a une grenade en plus. Il est où lui? Ils sont combien là-dedans? C'est pas possible! Putain, voici, il est mort. Il doit être mort là. Voilà. Accident de voiture. Parce qu'en fait, juste pour vous dire, il fallait que j'arrête l'enregistrement du. Putain, merde. Du let's play à un moment pour tout travailler. Et je m'étais dit, oh bah ça va se garder au pont de contrôle. Et bah non. Au plus, on recommence la mission. Ça me fait chier. Et surtout ce passage là. Putain de taras, c'est minéré, c'est du coup. Voilà, allez descendez. Voilà, venir. Oh, oh. Allez, on se casse, on se casse. Putain, Tara, c'est quoi qui me bloque là? Voilà, on va se mettre là. C'est parfait. Bon, il y a bien un bazooka, un truc comme ça pour le. On a des missiles Stinger dans la grange. Troupe, prends un Stinger et descends-moi cet hélico. Allez! Oui, il est où? Voilà, c'est ça que je voulais. Il balance des fusées. Ce sera pas facile. Sop, tire un autre Stinger. Oui, bah une l'épreuve. Minute, hein. On va le faire. On va le faire, mon coco. Faut qu'il s'arrête, faut qu'il s'arrête. Attends. On va se mettre dans un endroit. T'es mort, tu tombes. Bon travail, Sauf. Tous avec moi, on s'en va. C'est vrai? Attends, il y a un petit bug là. Ah voilà. Ah, alors, hop, c'est par là. Non? C'est pas où? Allô? Ah, ils sont là où? Je suis con. On reprend mon arme. Voilà.
06, ici Fer de Lance en attente. Pareil que vous avez besoin d'un coup de main? Qu'est-ce qui se passe? Fer de Lance, mission de tir. Danger, danger. Blindés et infanterie ennemie à 100 mètres au sud-ouest de notre position. Ouais. À vous. Entendu. Ah, d'accord. Je il fallait attendre. C'est fantastique, bien joué. Ouais. Bravo 6, on vous couvre jusqu'à la zone d'extraction. Vous feriez bien d'avancer. Bien reçu, Fer de Lance. On d'accord, est en route, on avance. Allez, on go, 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 go. Moi je cours, hein. Voilà, voilà, c'était la mission. La mission est terminée. Bon, truc qu'on va faire, bah, comme je dis à chaque fois, c'est qu'on va se retrouver la prochaine fois pour la prochaine mission sur Call of Duty. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode qui s'est déroulé pour moi en deux parties. Vous, pour vous, une seule partie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles missions. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle mission sur Call of Duty Modern Warfare Remastered. Je vous fais des gros bisous. Laissez un commentaire, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ciao!